1970, Languedoc. Richard est dans son atelier. La fenêtre dans son dos délivre la lumière du nord. L'autre fenêtre, plein sud, a les volets clos. Tout est en ordre. Elle est en train de peindre. Pas question de la déranger. Quelle que soit la nature du ciel et la température de l'air, elle n'ouvre jamais les battants des fenêtres, parce qu'elle craint la poussière qui pourrait se mêler à la pâte et en gâter la finesse. Ou alors les insectes, on ne sait jamais. Au sud, elle tire les volets pendant les heures chaudes. Ainsi, la lumière se répand alentour de la toile avec juste ce qu'il faut de vigueur et d'élasticité après avoir enflammé les garrigues et avant de poursuivre vers la mer Méditerranée. Elle peignait debout. Maintenant, elle préfère s'asseoir pour peindre longtemps. Voilà qu'elle suspend son geste, semble réfléchir, plisse les yeux pour mieux percevoir ce qui s'ébauche. Elle croit dur comme fer en ce qu'elle fait, même si rien n'est directement mesurable des avantages récoltés à accomplir ce genre de travail. Au stade où elle en est arrivée et à ce moment-là de la partie, elle ne pense plus au commencement des choses, seulement au jour en train de passer, au sentiment en train de l'habiter. Tout paraît maillé dans l'instant, grain de la toile, grain de la peau, souffle, rythme, couleur. C'est l'esprit qui la guide. Thank you.